Bon, la famille, comme vous avez vu, on a décidé avec Calvin de vous faire gagner gratuitement en concours, hein, comme d'habitude, cette belle E30. C'est un produit qu'il a rentré au moment où moi j'étais en train de rentrer chez moi avec la Smart. Et il m'a rappelé, il m'a dit, frérot, qu'est-ce que t'en penses? Et moi je dis, la vérité, ça ferait plaisir à la commu. Maintenant, est-ce que toi tu vas t'y retrouver financièrement parlant? Voilà, il m'a dit, bah oui. Je pense que ça peut faire plaisir vraiment à tout le monde, tu vois, surtout qu'une E30, c'est symbolique, tu vois. Donc moi, je l'ai vivement, vivement encouragé à le faire, je pense qu'on va vraiment le faire. Comme il est hyper perfectionniste, on ne peut pas vous lancer ça, genre dans 3 jours, tu vois. Mais comme il est perfectionniste, il veut checker la voiture complètement, et ensuite là, on le fera, mais considérer qu'à 90%, c'est bon, tu vois ce que je veux dire. Attends, il vient de m'envoyer un message. Bah c'est bon. Voilà, c'est bon. Donc, comme d'habitude, laissez-lui encore quelques jours histoire de bien peaufiner la voiture. Et moi, je vais essayer de caler ça et de me dépêcher avec tous les concours que je dois faire. Mais vous en faites pas, on va trouver de la place, on va trouver un bon moyen que ça puisse plaire à tout le monde. Et surtout qu'une 30, c'est symbolique. Et j'étais justement, la famille, en train de ranger un peu. Parce que moi, ou dedans, j'appelle ça la boîte à bordel, tu vois. La boîte à bordel, j'ai déjà jeté 1 milliard de trucs. Et voilà, c'est ça que je vous ai dit. Regardez ce que j'ai trouvé. À la base, j'avais acheté ce porte-clés pour mon E36. Mais comme je ne l'ai plus, bah, tu sais quoi, je vais le garder ici. Comme ça, le jour où on vous mettra la E30 à gagner, bah, moi-même, je mettrai mon porte-clés dans le truc. Et c'est à peu près tout ce que j'ai.